Bon, ça c'est qu'un détail. Ça va? Comment tu t'appelles? Mathéo. Comment tu dis? Mathéo. Mathéo. C'est mignon, Mathéo. T'es content d'être là? Ouais. À tout à l'heure. Oh là là. Le cadre derrière, on peut pas le trouver. On va se focaliser. Je suis très heureux de vous recevoir pour célébrer le baptême, le grand baptême de Florent, les parents Florent et notre infirmière. Voilà. Alors, devant nous, Félicien Louquin, adjoint au maire et officier de l'état civil de la commune de Monachia-Dolène, Corse du Sud. Le parrain et la marraine se sont engagés à subvenir aux besoins de l'enfant jusqu'à sa majorité en cas de disparition ou incapacité des parents. Virginie Yvonne Joséphine Huisset. Oui. Ah non. Et monsieur David Baptiste François Nicolas. Parce qu'après on a perdu le Marie, là, ils ont de la marine. Oui, c'est le parrain. Le parrain. Merci. Le papa et la maman, s'il vous plaît. Ah, papa et maman. Ça, il faut le remettre. Hein. Oui, oui, je sais. Je le remets à la fin. Merci, toi, Fichi. Alors, vous allez passer au deuxième enfant. Émilie, c'est fait. Bravo. Alors, Pascal, on va signer. Ou d'abord, un minute. Celui qui vient de toucher. Voilà. Et les attends. Après, allez voir. Prochaine parole. À toi, Pascal. Là. Voilà, la marraine. On appuie dessus, là. C'est bon. Là-bas. Et après, là-bas. Merci. Les parrains. Les parents. Et voilà. Voilà. Ouais, c'est fini. Voilà. Félicien, c'est toi. Là, c'est pas bon. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter bienvenue dans la République. Merci. Merci à vous. Vous êtes magnifique. Alors, les deux sœurs et la maman. Les deux sœurs et la maman. Hein, ça vaut le détour quand même. Oui, quand même. Hein. Ouais.
Alors Pascal. Enchanté. Au confessionnal tout de suite. Eh non, je dis, parce que si je monte dedans, il décolle. Il m'emmène direct en haut. Non, mais vous me restez en bas. Et vous, chers parents, quel prénom avez-vous donné pour votre enfant ? Qu'attendez-vous aujourd'hui, donc, devant l'église, dans l'église pour Léni ? Le baptême. Vous demandez le baptême pour votre enfant, et vous, vous demandez le baptême pour vous. Chers parents, vous devez éduquer votre fille, vos filles, dans la foi, et leur apprendre à garder les commandements pour qu'elles aiment Dieu et leur prochain comme le Christ nous l'a enseigné. Êtes-vous bien conscient de cela ? Les filles, aimez Dieu ? Et vous qui avez choisi d'être parrain et marraine, David, Virginie, Pascal et Pauline, Maxime et Karine, vous devez aider les parents à exercer leurs responsabilités. Êtes-vous disposé à le faire ? Oui, oui. Les filles, Lila, Amy, Eleni, l'Église est heureuse de vous accueillir en son sein aujourd'hui. La communauté chrétienne vous accueille avec joie. En son nom, je vous marque de la croix, le signe du Christ, celui au nom duquel vous serez baptisés. Et vous, parents, parrains et marraines, vous les marquerez après moi du signe de la croix. Allez-y, papa, maman. Parrain, marraine. Papa, derrière toi. Très bien. Entrons à présent dans la maison de Dieu où s'accomplira cette filiation en chantant « Dieu est une fête aujourd'hui ». Dieu est une fête aujourd'hui, la fête de la vie. Alléluia. Dieu est une fête aujourd'hui, c'est lui qui l'a promis. Oh, alléluia. 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 Je sais que vous êtes tous de bonne mère. Je sais que vos parents travaillent, vos parents, marraines travaillent ensemble. Je sais que vos parents aussi. Et que Dieu aussi réveille votre baptême à vous. Parce que nos baptêmes parfois peuvent dormir. Électro-spirituel, grand plat. Réveillez vos baptêmes. Cessez d'être des croyants non pratiquants. Pratiquez votre foi. Pratiquez avec amour celui en qui vous croyez. Aimez-le. Et vous aurez vraiment le bonheur et le salut que lui seul donne. Amen. Vous savez, c'est lui qu'il faut aider à croire. La foi, c'est ce que vous suivez. Et ce n'est pas une question de théologie, de sel, c'est une question de rencontre. La foi naît d'une rencontre avec Jésus-Christ. Je crois, mais je ne sais pas en quoi je crois, c'est fumeux, c'est nébuleux. Ce monsieur-là, alors, Amy, Lila, Léni, Léni, voilà. Tu ne comprends peut-être pas, mais vous comprenez. Apprenez même à connaître ce monsieur. Et vous-même, apprenez davantage à vous rapprocher de ce monsieur. Tout est là. Quand vous rencontrez, vous le rencontrez, vous faites l'expérience de l'amour parfait. Et quand on prend lui, tout le reste est tellement bleu. Alors je vous aide à l'apprendre. Voilà. Juste une image. Quand on rencontre le vrai amour, toutes les autres choses tombent. Toutes les théories, les doctrines, les dogmes, ma joie, il y a des âmes sur la terre qui cherchent en vain le bonheur, mais pour moi, c'est tout le contraire. La joie se trouve dans mon cœur, cette joie n'est pas éphémère. Je la possède sans retour comme une rose printanière, elle me sourit chaque jour. Vraiment, je suis trop heureuse, je fais toujours ma volonté. Pourrais-je n'être pas joyeuse et ne pas montrer ma gaieté ? Ma joie, c'est d'aimer la souffrance. Je souris en versant des pleurs. J'accepte avec reconnaissance les épines mêlées aux fleurs. Lorsque le ciel bleu devient sombre et qu'il semble me délaisser, ma joie, c'est de rester dans l'ombre, de me cacher, de m'abaisser.
Ma joie, c'est la volonté sainte de Jésus, mon unique amour. Ainsi, je vis sans nulle crainte. J'aime autant la nuit que le jour. Ma joie, c'est de rester petite. Aussi, quand je tombe en chemin, je puis me relever bien vite. Et Jésus me prend par la main. Si parfois je verse des larmes, ma joie, c'est de les bien cacher. Oh, que la souffrance a des charmes. Quand le fleur pousse la voilée, je veux bien souffrir sans le dire, que Jésus soit consolé. Que me font la mort, la vie. Jésus, ma joie, c'est de t'aimer. Nous allons à présent prier pour Émilie, Lila et Lumière. Nous allons prier pour leurs parents, leurs parrains et marraines. Nous allons prier pour nous-mêmes, baptisés, pour que Dieu investisse nos cœurs et fasse de nous des enfants libres et heureux de porter sa foi. Accompagner nos enfants dans la maison de Dieu, dans la découverte du Christ et une vie proche de l'Évangile. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui nous manquent, que nous aimons, et qui ne sont pas parmi nous. En ce jour, Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui nous ont quittés et qui sont toujours présents dans nos cœurs. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur, en ce jour de joie, nous te prions pour ceux et celles qui sont dans la peine et dans la souffrance, viens en aide à tous les hommes afin de rendre notre monde meilleur. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Bien des choses s'éteindront dans la vie de nos filleuls. Veillez à l'entretenir. Quand le Christ reviendra, qu'il puisse trouver
pouvez ses enfants baptiser aujourd'hui en son nom dans sa lumière. Recevez la lumière du Christ. Extraordinaire, donc voilà. En plus, les filles le valent tellement bien, puisqu'elles sont pleines de joie, au caté, elles brillent de leur présence, et donc je crois que le Christ est présent dans leur vie, et j'espère que les parents, parrains et marraines, pourront entretenir cette lumière dans leur vie. Voilà. Merci beaucoup. Ben, je vous en prie. J'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaire. Une très belle vie religieuse déjà, une très belle vie qui court. Et je les prends chez Soprano en concert en juillet. Et là, comment ça s'est passé? Ouais. T'es pas, un peu timide ou stressé? Non. Non. Bon, c'est cool, t'es starné alors. Hein? Qu'est-ce qu'elle dit La cousine. La cousine. La cousine a félicité cousine. Elles ont fait une très belle cérémonie. Très très joli baptême. Et on continue pour la fête, hein, jusqu'au bout de la nuit. Merci. Je leur souhaite plein de bonheur, une vie remplie de Dieu, dans la foi, une vie dans la foi et tout le bonheur du monde, qu'elle ne souffre jamais. Qui êtes-vous ? Les voisins. Les voisins, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous étiez là à la cérémonie, oui ? Oui, oui, oui. Alors qu'est-ce que vous leur souhaitez à ces trois jeunes filles ? De bonheur et une bienvenue dans la maison de Dieu aussi. Et monsieur, qu'est-ce qu'il dit ? Il se sert un verre. Eh bien, du bonheur, la vie, quoi. Voilà. Tout le monde se régale, c'est l'essentiel. Impec. Et le beau-frère, là aussi, il faut l'interroger, lui. Très bien, très très bien. Bah, c'était, hein, c'était top. Hein. On a encore plein les bouches, mais ça va. Non, bah, sur un bon moment, c'est cool. On a le soleil est là. On est au top. Hein. Au top, on va passer une belle journée. Gros bisous, et voilà. Moi, je suis très content pour les trois, et beau baptême en plus, magnifique. Tu es mon chouchou. Qu'est-ce qu'il fait, Pascal? Ok, toi bien. Le monde dans la vibe. Je le move. T'as pensé la cérémonie? J'ai pensé du jour. La cérémonie. Je dirais pas le dicton du jour, je le dirais pas parce qu'il y a trop de monde. D'accord, on garde ça pour plus tard. Ça pour la fin. Tout le meilleur pour la fin, toujours. Qu'est-ce qu'il dit, le parrain? C'est une journée parfaitement parfaite. Et le meilleur, je pense que c'était à l'église quand même. Ça s'est très très bien passé. Vraiment fier. C'était émouvant. Oui, très. Ouais. Très
très émouvant, très chaleureux et très convivial surtout. Je leur souhaite tout le bonheur du monde et plein de bonnes choses pour leur vie et voilà. Que la vie soit longue et belle et charmante pour toutes les trois. Plein de bonnes choses. Voilà. Vraiment plein de bonnes choses. Elle est très bien entourée, elle est très bien entourée, ils ont une famille formidable, donc il faut qu'ils en profitent un maximum. Ouais. On leur souhaite que du bonheur, exactement, d'être heureuse et de rencontrer le prince charmant. Voilà. Il n'existe voilà. pas le prince charmant, mais si on y croit. Si c'est à cet achat, on y croit. On y croit encore à cet achat. Alléluia. Alléluia. Voilà. On te fait de gros bisous. N'oubliez pas d'aller le dimanche à la messe. Tous les dimanches matin. Les filles, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Souriez, appréciez toute la vie. Vous avez tout devant vous. Je vous adore. Vous êtes merveilleuses. Tout d'abord, bonjour. Nous sommes très heureux, ma femme et moi. Ma femme qui est marraine de Lila républicaine. Civile. À la mairie. Et moi qui suis parrain de Léni. À la mairie. Et à l'église. À la mairie. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il leur souhaite ? Viens, 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 viens. T'as la voix cassée ou quoi ? Hein ? T'as la voix cassée ? Hein ? Mais c'est pas grave, on t'entend bien, le micro il est bon. Alors qu'est-ce que tu leur souhaites à ces jeunes filles ? Plein de joie et de bonheur. Ouais ? C'est vrai ? Ah oui ! Tu mens pas ? Non, je mens pas. Le bonheur, franchement, que du bonheur, de l'amour et voilà. C'est vrai, tu mens pas ? Hein ? Non, mais je vais pas mentir. Mais ouais. Merci. Qu'est-ce que tu souhaites aux filles, maman ? Ben, je leur souhaite tout le bonheur du monde. Voilà. Tout le bonheur du monde. Oui. Bah oui, je leur souhaite tout ça. Moi, je souhaite à mes petites filles plein d'amour, plein de bonheur et qu'elles soient heureuses toute leur vie. Je leur souhaite plein de bonnes choses et qu'elles continuent. Voilà, c'est bien parti. Hein. Oui. Je suis Jean-Pierre, un ami de Florent et un collègue. D'accord. Alors qu'est-ce que vous leur souhaitez à ces jeunes filles ? Bah, beaucoup de réussite dans leur vie et de bonheur. Eh ben, beaucoup de bonheur, la réussite, tout ce qu'elles souhaitent. On leur souhaite d'avoir tout ce qu'elles souhaitent. Tu dis quelque chose ? Hein ? Qu'est-ce que tu dis, Léni ? Léni, tu es jolie. Tu sais que tu es jolie ? Dis-moi. Est-ce que tu le sais ? Est-ce que tu le sais ? Merci de nous avoir invités pour mon baptême et bonne soirée. Hein ? Merci. Merci d'être là. Merci les filles. De rien. Toto. Qu'est-ce qu'elle dit ? Super, magnifique, oh, super belle fête, une messe géniale. Le curé est magnifique. C'est vrai, magnifique, et oui, évidemment. Et voilà, quoi dire d'autre ? Qu'est-ce que tu leur souhaites à ces petites filles ? Que du bonheur. Que du bonheur, la santé, tout. Merci Carinette. De rien. C'était super, le père Olivier nous a mis le feu, les filles elles sont super contentes, c'est top. Bon, c'est bien parti pour les trois là. Ah, je crois que c'est bien parti là, elles sont heureuses et nous aussi. Merci. Oh!
ça, c'est pas le Titanic, quoi, il va pas couler. Ça, c'est le bateau. Ça. C'était le là, regarde, Lolita. Oh putain.